Oui, ils ont pas plus gros. Ouais, bon, on va prendre celui-là, nous, comme aileron. Suspension, voilà, fond. Transmission, pareil. Le coffre. Voilà, on va mettre ça. Turbo, voilà. Au type de roue. Ouais, on va mettre un circuit, je pense. Ah, je les ai pas débloqués. Merde. Alors, on va voir ce qu'il y a. Pas grand chose, bon, on va mettre en sport. Voilà, tac. Couleur de. Voilà, on va mettre rouge. Apparence de pneus custom. Voilà, fumée des pneus rouges. Voilà, en plus, c'est en promotion. Je sais pas si c'est fait exprès. Et du coup, il reste les vitres. Et donc, voilà. Donc là, on a custom, du coup, cette magnifique voiture. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'est vrai qu'il fait nuit, donc on voit pas grand-chose. En plus, ouais. Je sais pas s'il fera jour, mais voilà. Donc, si vous teste, ça vous intéresse qu'on je fasse des tests avec cette magnifique voiture. En tout cas, elle a l'air d'avoir une bonne tenue de route. Et donc ça, du coup, c'est une bonne chose. Donc on va... C'est quoi pour vous la voyez mieux? On va aller directement, nous, dans le garage. Comme ça, on vous y verrez franchement mieux. Moi, je la trouve vraiment très classe. Je pense que ça pourrait être une voiture que je pourrais prendre assez souvent. Donc du coup, voilà. Donc du coup là on va aller directement du coup nous à l'appartement et ensuite on va regarder nous les promotions et les actualités de la semaine. Donc voilà, donc là on va rentrer directement dans le petit garage. Voilà, donc là, voilà, on y voit mieux, on y voit mieux. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez de la voiture. Franchement, même attends, à l'intérieur. Franchement, elle est bien. Moi, j'aime bien. Donc franchement, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Donc nous, voilà, on va aller voir les actualités. Donc on va commencer du coup par le site de Venise. Est-ce que je me suis trompé? Voilà, donc là, on va aller voir le stock. Donc là, comme voilà, je vous ai dit, celle-là vient de sortir. Et ça, c'est d'autres voitures, peut-être que j'achèterai plus à l'occasion. Mais en tout cas, à mon avis, je crois que ça a l'air d'être récent, si c'est une étoile. Bref, donc du coup, il y a la Chino qui est au lieu de 225 000, elle coûte 112 000 dollars. Donc qui est je pense qui est aussi un très bon véhicule. Donc là dans à mon avis il n'y a pas de promo. C'est dans Legendary, oui ici il y a des promos. Donc là on va regarder. Donc là je pense c'est plutôt dans les trois portes. Donc on va regarder ça tout de suite. J'avance vite hein, mais vous en... c'est parce que je vois pas de promo. Voilà. Donc là il y a la Vapid Huster. Au lieu de 625 000, elle coûte 375 000. Il me semble qu'il y a une autre. Voilà, la Anis REZB à 1 485 000 au lieu de 2 475 000. La Vapid Chino, 112 225. Voilà. Et la Vaca, 120 au lieu de 240. Donc là, voilà. Donc là, pour la. C'est bon. Ensuite, les 5 portes, on va aller voir. Donc là, Jugular à 600 ou 800 000 au lieu d'un million 2 ou 900 000. Donc, qui est aussi un très bon véhicule. Voilà, les motos. Non. Et voilà, les trucs spéciaux. Donc là, il y a une promo sur les deux Formule 1, la DR1 et la PR4. Donc du coup à 1 700 000 au lieu de 2 900 000 et 2 100 000 au lieu de 3 500 000. Donc du coup voilà. Donc là du coup pour ce site c'est bon.
Pour Warstock, je vais regarder en bref si il y a des promotions. Donc voilà, non, c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'il y a pas de promotion. Ok, normalement sur le site San Andreas, il n'y a aucune promotion, donc on a fini. Ah non, 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 on n'a pas fini. Donc là, il y a une autre promotion, c'est sur les business. Donc, Metzbank, accès. Donc, il y a une promotion sur toutes. Voilà, c'est ça, chercher toutes les boîtes de nuit. Donc, moi, je vous déconseille celle-là et celle-là. Vous pouvez, moi, après, je vous conseille de prendre soit celle-là, soit celle-là. Voilà, plutôt au centre, si vous voulez que votre boîte de nuit marche bien. Donc voilà, donc il y a une promotion sur les boîtes de nuit. Donc du coup, voilà. Donc maintenant, on va voir les activités doublées, ce qu'il y a. Donc là, j'essaye, voilà. Donc là, voilà, on va dans en ligne activité, jeu activité créé par Rockstar. Donc dans les courses casse-cou, tous les circuits horting sont en x3. Les missions de voilà la mare, toutes les missions de la mare sont en x4, donc sont voilà. Et donc, même voilà, que ce soit les missions de la mare, tu sais, avec le béni, les missions de bénisse ou les missions classiques que la mare donne, tout ça c'est en x4. Donc, après, dans les modes ravis. Rivalité, donc c'est un mode. Il me semble qu'il y a un mode en qui est en x3. Voilà, c'est voilà, ça. C'est saisi au vol. Donc là, du coup, voilà, c'est tout. C'est tout, du coup, pour ces actualités de la semaine. En tout cas, moi j'adore ce véhicule, ce nouveau véhicule. Pour une fois, il ne sort pas un véhicule pour rien. Et donc, franchement, je les félicite. Donc du coup voilà, c'est juste dommage qu'il fait nuit au moment où je vous parle. Mais au moins vous avez pu le voir de jour grâce au garage. Donc du coup moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé ou même vous aura aidé. Ça se trouve vous hésitez à acheter ce véhicule et bah, peut-être que du coup ça vous a donné envie grâce au custom ou un truc comme ça. Mais en tout cas en plus, on va dire qu'il avance assez bien. Donc c'est pas non plus une poubelle. Et donc moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochains lives ou pour de prochaines vidéos. Puis ciao tout le monde.